aussi, vous ne connaissez pas mon ministère. You don't know my ministry. Dans cette prison. In this prison. Vous venez d'arriver. Non, on est là depuis. Comment vous êtes là depuis? How have you been here? Et vous n'avez pas entendu parler. You don't hear talking about me. De Joseph. Of Joseph. Ministère international. International. De songes et de rêves. Of song of dreams. Worldwide. Worldwide. Tu n'as pas vu ça, mon docteur. Ils sont là nombreux. They are the, even in the quarter he is, nobody knows him. Mais son ministère international. But his ministry is international. His ministry is international. Bishop Tidi s'est posé une question un jour. Bishop Tidi asked a question one day. Nous qui sommes vieux dans le ministère. We who are old, we are old in the ministry. On marche tranquillement. We walk quiet. Tu viens à peine de commencer. You just started the ministry. Tu as déjà les gardes-corps autour de toi. You have bodyguards all over you. Qui veut même te tuer? Who you want to kill? Quand personne ne te connaît. When nobody knows you. Trois qui sont remis en son nom. He has gathered two or three in his name. Son ministère est mondial. His ministry become worldwide. Le championnat local. The local championship. Ah. Docteur Alain. Doctor, le monde a fabriqué les capacités. The world has fabricated design capacities. Quand on parle de capacité, when you talk of capacities, le monde a commencé avec mégabytes. The world started with megabytes. Après le monde a dit que méga est petit. Then the world said mega is little. Le monde allait à giga. The world went to gigabytes. Après le monde a dit que giga est petit. And the world said gigabyte is little. Le monde allait à tera. The world went to tera. Je parle sous l'autorité d'un expert en informatique. I'm talking under the authority of an expert. Le monde allait à terabytes. The world went to terabytes. Après le monde a vu que tera est petit. And the world said tera is still little. Le monde allait dans clouds. To clouds. L'église est la seule organisation. The church is the only organization. Pour quelqu'un se vante. When somebody is boasting. Parce qu'il est encore à mega church. Because he's still mega church. The world is already in the clouds. Les hommes vont déjà à la lune. Men are already going to the moon. L'église cherche encore à être comment être mega. The church is still seeking to how to become mega. Je parle du championnat local. I'm talking of local championship. Oga, ne nous teste pas. Don't try us. On n'est pas venu tous ici là cet après-midi. Come all of us here this afternoon. Pour que tu nous parles demain. For you to be telling us tomorrow. The mega church. Mega church. Tu es écrivain. You are a writer. You are an author. Ne nous écris pas les livres sur comment avoir mega church. Don't write about how to have a mega church tomorrow. La terre. The earth. Et tout ce qu'elle contient. And all it contains. Appartient à l'Éternel. Le monde. The world. Et ceux qui l'habitent. And those who habit it. Sont à lui. Belongs to him. Si tu ne veux même pas les nuages. If you don't even want the cloud. Ou les nuits. Or the. Prends au moins toute la terre. At least take the entire earth. Amen. The great commission. Je n'ai pas entendu qu'aller à Mingoma. I did not hear that go to Mingoma. J'ai entendu qu'aller dans le monde entier. I heard that go to the entire world. Donc ici c'est le point de départ. So here is the starting point. Ici c'est la base. Here is the base. À partir d'ici. From here. Va à l'extrême nord. Go to the extreme. Va au sud. Go to the south. Va à l'est. Go to the east. Je suis comme ça en train d'étendre ce ministère. I am extending. Va au nord-ouest. Va au sud-ouest. Va au sud. Va au littoral. Va à l'est. Fais comme Joseph. Do like Joseph. Il vient voir ses frères. He came to see his brother. J'ai reçu un songe. I got a dream. Les gars commencent à combattre le songe. And people start, his brother started fighting the dream. Il leur a laissé le songe là. I left the dream to them. Il est allé chez le distributeur de songes. Went to the distributor of dreams. Il a pris un songe plus grand. He took another greater dream. Si les gens te combattent, if people are fighting, offre-leur ce qu'ils combattent là. Give them what they are fighting. Viens, Dieu te donne quelque chose de plus grand. Come, let God give you something greater. Comment je sais qu'il n'a pas retenu la leçon? How did I know that he did not retain? Il se tourne vers l'un des prisonniers. He turned to one of the prisoners. Il dit, he said, quand la prophétie que j'ai déclarée va s'accomplir. When the prophecy which I have declared will accomplish. N'oublie pas. Don't forget me. Si tu tentes de ne pas apporter la son de grâce. If you try not to bring thanksgiving. C'est moi qui ai prophétisé sur toi. I'm the one who prophesied on you. C'est moi qui ai prié. I'm the one who prayed for you. Quand tu seras là, when you will be in that palace, n'oublie pas. Don't forget me. Sinon le songe là peut se changer. If not, that dream can change. Si I can still pray. C'est comme ça que nous menaçons les chrétiens là dehors avec la prophétie, avec les prières. Tu applaudis, tu applaudis. Toi, regarde-toi, honte à toi. Et tu applaudis. You are clapping. Why are you clapping?
S'il y a les vendeurs d'eau, if there are people who are selling water, c'est parce qu'il y a les acheteurs. It's because there are buyers. Je n'ai pas de problème avec les vendeurs. I don't have the problem with J'ai un problème avec toi. I have the problem with you. C'est toi qui encourages ça. You are the one encouraging that. S'il n'y avait pas les acheteurs, if there were not buyers, il n'y aurait pas de vendeurs. Nobody would be there to sell. Maintenant, tu n'applaudis plus. S'il n'y avait pas les acheteurs de prophétie, il n'y aurait pas les vendeurs de prophétie. S'il n'y avait pas les acheteurs de prière, il n'y aurait pas les vendeurs de prière. Et quand tu es parti acheter tes prophéties, ça n'a pas marché. Tu viens m'accuser, moi qui n'ai jamais vendu la prophétie. Quand tu partais dans tes mapanes acheter les prières, ça n'a pas marché. Tu viens me voir, moi qui ne vends pas les prières, tu dis que moi, c'est moi. Amen. Amen. Will you know God for yourself? Pour ne plus être victime des vendeurs. So that you will not be victim of the vendors. Ne les appelez pas les faux. Don't call them the false. Ils ne sont pas faux prophètes. They are not false prophets. Quand quelqu'un fait le faux, il fait en cachette. When someone is doing the fake thing, he does it hidden. Les gars qui vendent l'eau, les mouchoirs, les prophéties là. Those who are selling the waters and prophecies. Ils font ça en direct. They do it live. Avec la caméra, ils sont même contents. They are even happy of doing it quand live. Quand ils filment. Camera, they take. Quand quelqu'un fait le faux, il fait en cachette. When someone is doing, il cache le visage. It is a Christian that one that should hide their face. Les gens qui font ça, ils ne cachent Those pas leur visage. Those who are doing it, they don't hide their face. C'est le... Leave your church. C'est eux qui ne veulent pas que la caméra montre le visage. Donc c'est vous qui êtes fou. So you are the one who are fake. C'est même pas les autres. It's not the others. Quelqu'un ne peut pas braquer la caméra sur lui. Somebody cannot show the camera on him. Et en direct. And lively. Tu as laissé la bouteille d'eau à 300 au quartier. You left the bottle of water 300. Tu sors 3000. You remove 3000. Pour acheter l'eau. To buy water. Et tu dis que c'est lui qui est fou. And you say he's the one who is fake. Pharaon. God came to Pharaon. Pharaon. Ce soir, tonight, il t'interdit de dormir. I stop you from sleep. I forbid you to sleep. Je récupère le sommeil. I collect the sleep. Et puis la Bible dit. And the Bible says. Il lui a donné un songe. He gave him a dream. Après, il a effacé. And after he wiped the dream. Yes. Pharaon s'est réveillé. Pharaon got up. Il cherche le songe. He's looking for the dream. Il dort encore. He sleeps again. Dieu revient. God comes. Il lui donne le même songe. He gives him the same dream. Après, il efface. And then after he removes the dream. Après quelques temps. After some time. Même le sommeil est parti. Even the sleep went. Pharaon n'arrive pas à dormir. Pharaon could not sleep. Tu ne comprends pas. You don't understand. Pharaon n'est pas du genre à rêver et à oublier le rêve. Pharaon is not the type that he dreams and forgets his dream. Sa position de Pharaon. His position of Pharaon. Ne lui permet pas. Does not permit d'avoir une vision pour la nation. Have a vision for the nation. Et d'oublier ça. And to forget it. La Bible dit. The Bible says. Docteur Philemon. Dr. Philemon. Pharaon a fait comme les chefs d'État africains. Pharaon did as a African. On interprète n'est pas peur pour moi. Pharaon did like the African head of state. Il a une vision. He has a vision. Pour la nation. For his nation. Il part consulter les marabouts. He goes and consults the witch. Ses conseillers présidentiels. His presidential counselors. Les Rosicruciens, les francs-maçons. Freemason and il y a une église là où ça pouvait marcher. Where it could work. Mais l'heure vient. But the time is et elle est déjà venue. And the time has come. Ou même les conseillers du roi. Even the advisors of the king. Vont chercher comment conseiller le roi. Who seek how to advise the king. Leur conseil ne va plus donner. Their counsel will no more work. Pourquoi? Why? Parce que Dieu ne veut plus. Because God does not want que certaines nations continuent à célébrer les sorciers, les marabouts et les mages. Celebrate all the witch and the wizard and the Dieu se prépare donc des Joseph. God then is preparing the des Joseph. Gens qui ont la vision. Those who have des gens God. Qui ont Dieu. Those who have God. Et qui vont devenir des conseillers. And that will become the counselors. Voilà pourquoi la Rose Croix échoue. That is why the Rose, voilà the pourquoi la franc-maçonnerie échoue. That's why the Freemasons voilà pourquoi nous sommes dans un pays that's why we are in the country where où le Cameroun va aller jouer à la Coupe du Monde. World Cup. On part avec les marabouts. We go with the witch doctor. Les autres partent avec le talent. Some goes with the talents. Officiellement. Officially. Nous on part avec les magiciens. We go with the magicians. Et on est surpris. Pas de bons joueurs. It's not because we don't have good players. Mais c'est parce qu'il y a un temps. Because there is a time. Pour le vieux. For the old. Il y a un temps. And there is a time. Pour le nouveau. For the new. Je viens annoncer ici. I come to announce. Il y a un nouveau Cameroun qui arrive. There is a new Cameroun that's coming. Et Pharaon a dit, Pharaon said, je vous paye
I am paying you pour que vous me donniez la solution, for you to give me the solution au problème de cette nation. To the problem of this nation. Donc, tout si, this time around, si vous ne donnez pas la if solution, you don't give me the solution, vous allez tous mourir. You all dead. Je suis venu ici I came here par la vertu des pouvoirs qui me sont conférés pour annoncer la mort de la rose croix, la mort de la franc-maçonnerie, la mort de toutes ces choses qui nous ont donné l'impression qu'ils allaient amener ce pays quelque part. Je suis venu annoncer la fin de cette saison. Oh, je croyais que j'avais l'église ici. Je croyais que j'avais un peuple ici, là, cet après-midi. Je suis venu annoncer la fin de la sorcellerie dans ta famille. La fin de la magie dans ton village. Les choses des ténèbres qui ont contrôlé ce quartier jusqu'à présent. Je suis venu dire que c'est terminé, c'est terminé. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Il y a un nouveau vent qui a tout le soufflé. Il y a un nouveau manteau qui va être libéré. Et on est venu dire à Pharaon. And they came to tell Pharaon. Oh, Pharaon. Pour ce que tu demandes là. For what that word you are asking. Il y a une seule personne. There is one person alone. Capable. Who is able. Un. One person. De te rappeler ton rêve. To recall you your dream. Deux. Secondly. D'interpréter ton rêve. To interpret your dream. Il ne suffit pas d'interpréter. It's not about interpreting. It's not only about interpreting the dream. Il faut entrer en esprit. You need to get into the spirit. Et puiser là-dedans. And carry from there. Les problèmes des familles dans ce pays. The problems of the family in this nation. Pasteur Amos. Pastor Amos. Ce n'est plus l'époque où tu vas asseoir un couple et tu lui demandes de te raconter ce par quoi il passe. It's not the time where you sit down a couple and to tell them to tell you what they are going through. Parce que la plupart des couples, because most of the couples, quand ils viennent devant toi, when they come before you, ils ne te racontent pas le vrai problème. They don't tell you the real story. Ils te racontent ce qui est superficiel. They tell you what is superficial. Quand une femme vient te dire que son mari ne l'aime plus, when a woman come and tell that her husband does not love her, elle ne parle pas de l'amour. She's not talking about love. Elle parle d'autre chose. She's talking of something else. Si tu n'es pas un Joseph, if you are not a Joseph, la capacité d'entrer, the capacity to get in, de voir la vraie raison, to see the real reason, et de donner une interprétation, and to give an interpretation. La plupart des chrétiens qui viennent vous voir, most of the Christians that come to see, dans vos bureaux de pasteur, in your offices, ils ne vous racontent pas la vraie raison de leur problème. They don't tell you the real story of their problem. Si tu te limites à la superficialité de ce qu'il te dit là, limit yourself to that superficiality, tu vas aussi leur donner une solution superficielle. You also give them a lightning solution. Jésus ne répondait jamais aux questions qui lui étaient posées. Jesus would never answer a question that was asked. Il répondait à l'esprit de la question. He was always answered by the spirit of the question. Parce que chaque problème a un esprit qui est attaché derrière. Every problem has a spirit that is chaque question a un esprit qui est attaché every derrière. Every question has a spirit that is attached to it behind. And the Bible says, et on vint dire à Joseph. And he went and told Joseph. Pharaon t'appelle. Is calling you. Cette fois-ci, this time, la Bible déclare. The Bible says, et Joseph, and Joseph se dépouilla. Removed. Enfin, so that, enfin, at last, Joseph est prêt. Joseph was ready. Jusqu'à présent, until now, chaque fois qu'il devait entrer dans une nouvelle situation, every time he had to enter into a new situation, il ne voulait pas se dépouiller. He was not ready to, il voulait garder le vieux vêtement. He wanted to always keep the old garment. Et ça me rappelle, and it makes me to un nom a man d'une famille illustre. Of a illustrious family. Le nom de sa famille signifie grandeur. The name of his family is, it means greatness. Timé. Timé signifie grandeur. Means greatness. Et Bar. And Bar. Timé. Timé. C'est le fils de Timé. He's the son of the Timé. Le fils de la grandeur. He's the son of the greatness. Se retrouve au bord de la route. Finds himself at the edge of the road. Avec le manteau de mendiant. With the mantle of a beggar. When he heard that Jesus was coming, il a crié. He cried out. Jésus. Jesus. Fils de David. Son of David. Prends pitié de moi. Have mercy on me. La Bible dit. The Bible says. Jésus s'est arrêté. Jesus stood. Il a dit. And said. Amenez-le. Bring him. Et on est venu dire. And they came to say. Jésus t'appelle. Jesus called him. La Bible déclare. The Bible says. Il a enlevé. He removed. Le manteau. Si tu dois avoir accès à Jésus, if you have, if you must get access tu ne peux to Jesus, pas garder le manteau de mendiant. You can keep the mantle of the beggar. Et tant que l'église au Cameroun et en Afrique, and the as long as the church in Cameroon va garder le manteau de mendicité, keep the mantle of begging. Tant que les pays africains, as long as the African countries, vont garder le manteau de mendicité, keep the mantle of mendicity. Nous sommes le manteau de mendicité. The mantle of begging. Nous sommes arrivés au niveau, nous sommes des mendiants assis sur un trône en or massif. We have got to the level where we always beg
C'est maintien assis sur un trône non massif. We have got to the level where we are beggars seated on a massive throne gold. On a tout ce qu'il faut. We have everything. Même le corona, even corona est venu mourir ici. Came and died here. On a ce qu'il faut. We have what it takes. Les plantes. It was proven. Mais certains d'entre nous, but some of us, on continue à aller en pharmacie. We still continue pour acheter les produits toxiques et chimiques. Buy this toxic chemical. Joseph, après s'être dépouillé, after removing all his clothes, et entré dans la présence de Pharaon, got into the presence of Pharaoh, la Bible déclare, the Bible says, que Pharaon, that Pharaoh, a pris un vêtement neuf, took a new garment, un vêtement nouveau, a new garment, il a mis sur Joseph, and clothed him with, il a pris, he took, la bague, his ring, royale, the, représentant the royal, l'autorité. Il a mis sur lui. Il a pris la chaîne. Il a mis sur lui. Et il lui a dit, vois, je te donne toute l'Égypte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque tu as le pouvoir qui est partagé, il faut remplir une condition. You need to fulfill the condition. Il faut être présent. You must be present. Et quand on a fini de partager le pouvoir, and we've finished to share the power. Ça se fait en secret. It is done in secret. Dans nos villages, in our village, quand on intronise le chef, le roi, you want to enthrone the ça king, se fait pas en public. It's not done in public. Quand Dieu a fini de t'appeler, when God has called you, il y a les éléments extérieurs. There are some external elements de ton appel, of your calling, le vêtement que tu portes, the garment you are putting on, détermine ton identité, determine your identity. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que nous pouvons apprécier le Seigneur encore mieux par les acclamations. Et nous allons apprécier le Seigneur maintenant avec nos offrandes, je vous en prie. Est-ce que nous pouvons nous offrir pour apprécier le Seigneur, pour lui dire merci pour sa parole et aussi pour obéir à sa parole qui nous enseigne de ne pas venir dans sa présence les mains vides. Mettons-nous debout tous, je vous en prie. Addition. Le Dieu de la multiplication. Alléluia. Il va agir en ce moment. On a déjà une nouvelle onction. C'est une nouvelle chose. Amen. Ton offrande va nous montrer que tu veux à ce que ce serviteur te bénisse. Amen. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Nous bénissons le Seigneur ce soir. C'est lui qui a fait ce que tu viens ici. Il sait le pourquoi tu es là. C'est pour que tu rentres une nouvelle personne avec un nouvel esprit. Amen. Seigneur, te bénissons ce soir. Nous magnifions ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu amour. Tu nous as mis ce soir afin qu'on apprécie ton nom. Nous sommes honorés. Et dans sa parole, celui qui l'honore, il l'honore. Alléluia. Au nom de Dieu ce soir, de ton offrande. Amen. Et tu seras béni. Que la gloire lui revienne, que la main fasse pour lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et puis vous offrande. Nous entrons dans la deuxième partie de notre culte de ce jour qui concerne l'ordination proprement dite. Et avant de procéder, vous allez nous permettre de vous présenter notre ordinant de cet après-midi au travers de la lecture de sa biographie. Je vais demander à Amos Benbenkebi de se mettre debout pendant que nous allons procéder à la lecture de sa biographie. He was born in 1978 in Gashi-Oku to Kenha Wilfried Kebi and Ellen Kemai. He went to government Bilingual Primary School Bafsam
and Government Secondary School Ngashi from 1984 to 1991, where he got his first school leaving certificate. He attended secondary school at Government High School, GHS Elak Oku, from 1991 to 1996, and had his General Certificate of Education, GCE, Ordinary Level Certificate. He then traveled to Kumbo, where he schooled at GHS Kumbo from 1996 to 1998, where he got his GCE Advanced Level Certificate. Instead of going to the university, he went for training in secretariat duties in Bamenda, and just after graduation, he volunteered to work as a radio technician of the then Cameroon Baptist Convention Communication Department, 1999-2001. He was later recruited to work as Yaoundé Field Officer Secretary under Reverend Dr. Donald Dichafa from 2001 to 2004. In October 2004, he decided to further his studies at the University of Boya, where he read Political Science and Public Administration from 2004 to 2007 and obtained a bachelor's degree in Political Science. When he left the university, he was immediately taken as Administrative Officer of Hope Services Clinic and Maternity Yaoundé from 2007 to 2011. It was at Hope Services that he sensed the call of God over his life, and in 2008 he began Salvation Tournament, which is termed sports evangelism. In a quest of knowledge and leadership development, he attended a good number of Christian leadership programs, some of which were Haggai Regional Training Yaoundé 2009, Leadership Challenge 2010, International Leadership Master Course 2011, and Purpose Driven Church Seminar 2019-2020. As time went on, Amos Benben experienced further ministry, open doors, and the need to expand the vision to Salvation Ministries. Back then, Salvation Ministries became the umbrella of Salvation Tournament and Crusade Evangelism. In 2009, he got married and started family life. By November 2011, he resigned from Hope Services to pursue a master's in hospital administration from the Catholic University of Central Africa, 2011-2015. Amos Benben further worked as consultant of Faith Medical Services, Yaoundé, from 2012 to 2014 as an administrator of Gilead Medical Center, Obili, from 2014 to 2016. As Salvation Ministries expanded, he felt the need to train an evangelism team, and this started in a Saturday Sons meeting to the founding of Cameroon Wisdom Center. It was at this point that Amos Benben made up his mind to work on his marital life. The overflow of his marital bliss later developed into a marriage school vision, which he titled Dominion Singles and Married Academy. This first marriage school in Cameroon, presently impacting over 3,000 people from over 50 countries. To further improve his counseling skills on marital issues, Amos took a course at the Marital Success Academy, Lagos, Nigeria. Amos Benben is presently a marriage counselor, mentor, and relationship coach. In short, he has founded Salvation Tournament, Salvation Outreach Cameroon, Cameroon Wisdom Center, Dominion Singles and Marriage Academy, and the most recent, Dominion World Outreach Church, this August 2020. As a marriage counselor, he has counseled over 40 marriages from home and abroad. He has impacted communities with gospel crusades and outreaches like Oku, Yato, Kut, Biame, Kom, Tango, and Yaoundé. He's a mentor to the staff of MADA,
Dominion Nursery and Primary School Obili and Gilead Medical Center. He has been a lecturer at Light Bible Institute, where he lectured purpose, vision,